some way to go. It's beating down my soul. Never ending race. I feel that fire burn with every twist and turn. Feel the shake. And when the sun goes down, all the stars will shine. I will stand wherever I am. The sun goes down, all the stars will shine. I will stand where I am. Salut les abonnés, j'espère que vous allez bien. Je viens de sortir chez le dentiste, donc ils m'ont un peu endormi, c'est pour ça que j'ai du mal à articuler. Ça fait méga longtemps qu'on n'a pas fait de vlog, tout simplement car on a eu le déménagement et Fraido a été opéré au niveau du passage de sangle car il avait un sarcoïde. Il est en convalescence pendant quelques temps et on vient le voir tous les soirs pour s'occuper de lui et on va vous montrer comment on fait. Je vais récupérer Fraido et le monter à l'écurie. Et maman, elle va nettoyer le crottin dans le champ, pendant que moi, je vais le brosser. Et après, on va lui donner son médicament. Coucou! Tu veux une carotte? Tiens. Ouais, t'es sage, mon grand. Attends. C'est là. Hop! Tu vas manger toi, hein? Ouais, tu vas manger. Et voilà! Non, 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 non! On m'avait bien dit que t'allais aller manger. Ton pied, t'as marché sur le fil. Tu viens? Ou t'es pas réveillé toi, hein? Tu dors encore? Ton marche dans l'air, tu vas avoir mal au pied. Non, mais tout prétexte pour manger. Allez, je vais aller te brosser. C'est maman. Tu viens? Oh, bah t'es pas réveillée, hein? Ouais, ouais, ouais. Viens là.
comme je vous l'ai dit, Fredo ne peut plus travailler et du coup, on lui a pris des bonbons Natural Kiss sans sucre. J'écris pour mon Fredo dessus. Et ben, du coup, puisqu'il ne peut plus travailler, il est de grossir très rapidement. On lui a pris des bonbons sans sucre. Je vais faire la queue à Fredo, mais elle est toujours très emmêlée. Et en plus de ça, il commence à se regratter comme l'été dernier. Et c'est pas très très beau. Du coup, maman lui a commandé une couverture anti-mouche, mais qui servira également, elle est très épaisse au niveau des fesses. Comme ça, elle sert contre la dermite. Et ce sera plutôt pas mal, je pense, parce que c'est pas très cool les crins cassés. Petit gourmand. Non, ça se mange pas. C'est une brosse. C'est rase, c'est rasé bonbon. Regarde-moi ça. Ce que je préfère quand je nettoie la tête, c'est ces petites oreilles. Je voulais également vous montrer la liste à Fry car je la trouve gigantesque et magnifique à la fois. Et c'est vrai qu'on la voit pas très souvent sur les crins à Fry. Et moi j'adore. Laisse ta tête, Nico. Ceci, c'est l'antibiotique à Pride. Là-dedans, on a mis un fond d'eau. Et là, il y a quelques granulés pour donner un peu de goût. Donc, je vais démarrer par lui donner 3 cuillères et demie de médicaments, on dirait de la poudre et de la farine à la fois. C'est pas très... J'avais jamais senti ça. C'est très... Après, je vais mélanger avec cette cuillère-là. On doit lui donner tout ça durant une semaine. Mais je crois qu'il aime parce qu'on entend de loin là, hein, taper du sabot. Et une cuillère et demie pour finir. Une demi-cuillère. Donc là, je vais bien mélanger. Que ça soit d'eau. Partout. Ça me donne pas très très faim à moi. Ah. Bien tassé, bien étalé. Ah, c'est horrible. L'odeur. Je sais pas comment il fait pour aimer ça. Voilà. Faut que je laisse la cuillère. Oh, elle est toujours dure à ouvrir. J'en mets une poignée. Pour être un peu plus cher. Parce que là, pas beaucoup. Voilà. Et je vais encore mélanger. Ah. Parce qu'il fallait... Il n'y a pas beaucoup d'eau à chaque fois, c'est difficile pour mélanger. Un bon grain. T'as mis beaucoup de granules, comme ça on est sûr que tu vas manger. Tiens, je te détache des deux côtés comme ça et tu files. T'inquiète pas, c'est pour toi la nourriture. Hein. Bon app!
On va aller manger, t'inquiète pas. Oui, elle a l'air bonne ici aussi, l'herbe. Elle est encore un peu de patience. Oh tiens, il y a de l'herbe verte ici. Et si on s'arrêtait là? Ah, bon bras. Si ça, je dis rien, mais t'as un peu choisi toi tout seul. Hein. C'est la fin de cette vidéo. On va ramener Petit Fraidou à paddock, car il est encore assez tôt. Et on va revenir demain pour lui refaire les soins, lui redonner son médicament. J'espère que demain, il va pas pleuvoir. Pleuvoir. Et que la météo a menti. Car Petit Fraidou, à mon avis, lui aussi, il a envie qu'il fasse beau. Et on va se rentraîner aussi. Bisous !